Bonjour et bienvenue sur lasdi.com. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo électronique sur la résistance. On la voit souvent dans les montages Arduino, mais elle sert à quoi? Sur le principe, la résistance limite le passage du courant électrique en s'y opposant plus ou moins fermement, ce qui se traduit par un dégagement de chaleur. Une résistance comporte un ensemble d'anneaux de couleur, de 3 à 6 anneaux. Ces anneaux vont nous servir à reconnaître la valeur de la résistance suivant un code de couleur. On commencera avec la résistance à 3 anneaux. Le premier anneau me donne le premier chiffre, ici le marron c'est 1. Le deuxième anneau me donne le deuxième chiffre, le noir c'est 0. Et le troisième anneau est le multiplicateur. Dans notre cas, le rouge c'est x100. La résistance vaut donc 10 multiplié par 100 égale 1000 ohms ou 1 kΩ. Au niveau de la tolérance, elle sera de plus ou moins 20% car il n'y a pas d'anneau de tolérance. Passons à la résistance à 4 anneaux et c'est le même principe. Le rouge égale 2. Le deuxième rouge est égal à 2 également. Le marron, c'est le multiplicateur par 10, ce qui nous donne 220 ohms. Et l'anneau de tolérance, argent, c'est plus ou moins 10%. Pour les résistances à 5 anneaux, nous avons 3 chiffres significatifs. L'orange, c'est le 3. Le jaune, le 4. Le noir, c'est le 0. Ce qui nous donne 340 ohms, que l'on multiplie par 1000 avec l'anneau orange. La résistance fait donc 340 000 ohms, ou 340 kΩ. Et l'anneau or pour la tolérance de plus ou moins 5%. Pour les résistances à 6 anneaux, c'est le même principe que pour les 5 anneaux avec un coefficient de température en plus. Le vert égale 5, le rouge égale 2, le noir égale 0. On multiplie par 1 avec l'anneau noir, ce qui nous donne 520 ohms. La tolérance, c'est la couleur or, plus ou moins 5%, et le coefficient de température noir, c'est 200 ppm par degré C. Il existe une petite phrase mnémotechnique pour se souvenir de l'ordre des couleurs. Ne mangez rien ou jeûnez, voilà bien votre grande bêtise. La première lettre de chaque mot correspond à la première lettre de sa couleur. Je vous ai mis une petite fiche à télécharger sur l'ASDI de ce code de couleur, si cela vous intéresse, rubrique électricité. J'espère que cette vidéo vous aidera dans la lecture de vos résistances. N'hésitez pas à partager et à liker. Merci et à bientôt.